Les frérots, je suis à Porta Aventura. Aujourd'hui, on va faire une dinguerie. On va tester la pire attraction d'Europe. Enfin, la pire, en mode celle qui donne le plus de sensations. C'est un manège avec Ferrari. Je pense que vous allez péter votre crâne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Moi, je suis jamais venu. J'ai trop hâte de voir c'est comment. Et vous allez voir comment elle est haute et elle fait flipper. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne secondaire, mettre la cloche. Et peut-être je ferai un épisode 2 de d'autres attractions. Parce que là, je suis à Porta Aventura toute la journée. Donc, peut-être je ferai une autre vidéo si vous avez kiffé celle-là. Donc, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, là, on est dans le Far West. Hey, on n'a pas l'impression d'être au Texas, frérot. T'es mal le ranch. T'es mal la dinguerie, frère. Petit cactus. C'est mal à déco là, c'est mal à déco. C'est badé lui. C'est lui m'a appelé. Il fait partie du décor. Comment ça mon bœuf? Comment ça mon... Comment ça mon repas? Comment ça mon remarque? Là les amis, on va tester le grand splash du parc. On va voir ce que ça donne. En plus on peut mettre la GoPro dedans. C'est parti, let's go, grand splash. Là on est dans une petite jungle assez miteuse, assez aberrante. Let's go. J'avais vous l'avez dit, c'est des connards franchement. Hey, grand splash, dès qu'il y a la descente, je me mets en dessous là, comme ça je prends pas d'eau. Elles vont saouler. Ouais, vous allez saouler vous. Hein. Arrêtez de crier là. Sinon je vous fume. Comment ça mon cœur? Hola, que tal? C'est pas ça là. Pero, souviens là. Hola. Okay. C'est long là. Attends, c'est juste ça le splash? Attends, il y en a un deuxième après. Ouais, le splash. Ouais. Eh les frérots, dans mes chaussures c'est Bob l'éponge. Monte la Dior sur la GoPro. Voilà les amis, voilà les Dior. Dior toutes mouillées, voilà. C'est ça la jeunesse, voilà la jeunesse. En plus il n'a pas l'air de faire beau aujourd'hui, là on va jamais sécher. La GoPro. On est plus. Say hello tous de GoPro. Eh je pense qu'elles savent pas parler anglais frère. Les amis, on a à Porta Aventura. Ça, c'est mon hôtel qui a un sacré flow, les frérots. Ils m'ont invité pour découvrir le parc. On va tester la nouvelle attraction Uncharted. Et si jamais vous venez et que vous prenez un hôtel, vous aurez accès aux deux parcs. Et il y a aussi un parc aquatique, donc comme ça, au moins, vous êtes régalés avec la famille. C'est parfait. Merci. Les frérots, là, on est devant la nouvelle attraction du parc. C'est Uncharted, l'énigme de la pénitence. Les frérots, elle est toute neuve. On va la tester juste maintenant. Si les frérots, ça a l'air incroyable. C'est à l'intérieur, dans le noir. Ça, je sens que ça va être lourd. Les frérots, on est dedans. On va voir si c'est lourd. On est un peu dans une caverne. Je sais pas s'il y en a qui ont vu Uncharted là, ici, mais elle a l'air incroyable, l'attraction, sa mère. Ça a l'air stylé. C'est parti, on embarque. Let's go. Putain, c'est tout noir là-bas. Ça fait bader en vrai. Oh, ouais. Oh, ouais, ça tourne. Wesh. 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 Ouais, c'est stylé, wesh. Ça tourne. Comment ça, mon bœuf? Wesh. Pour tous ceux qui aiment les attractions dans le noir où tu sais pas trop où tu vas, à tout moment tu peux aller à gauche, à droite, derrière, en haut. Franchement j'ai bien kiffé et merci Porta Aventura. Les amis, on est devant le seul Ferrari Land d'Europe. Regardez-moi la zinzinerie. On va faire ça. Voilà, aujourd'hui je suis venu en Espagne pour faire ça. Je pense qu'il y a 100. Ah bah voilà. Oh oh.
Les amis, regardez-moi la dinguerie, l'entrée du parc. Oh, comment ça fait flipper sa mère. Yo, l'attraction, elle est énorme. Oh les frérots, je me chie dessus. Wesh, la descente, frère. Non mais hey, là c'est gore, hein. Là ça va être très 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 gore. Il est en train de se chier dessus. Frérot, ça fait un bruit d'avion quand ça descend. Les amis, je dois porter mes couilles, prendre mes couilles à deux mains et faire cette fucking attraction. Y'a pas le choix, y'a pas le choix. Mais hey, vous savez que là, comment dire que je commence à perdre mes couilles là. L'attraction c'est un immeuble. What the fuck. Et ça descend à 90 degrés, y'a pas de chichi. Hein. Là y'a pas le temps de chichi, frérot. Wesh. Wesh. Comment ça va vite. Oh la zincinerie. Eh, ça va tellement vite, le bruit que ça fait quand l'attraction elle part. Là je suis en train de perdre mes couilles, sa mère. Bon allez, c'est parti, on y va. C'est le moment, plus le temps de parler, faut agir maintenant. Et les meufs qui nous accompagnent à l'attraction, elles vont le faire aussi, hein. Pourquoi ça va aussi vite? C'est pas normal. Non, c'est sans moi. Allez, ciao. Ciao Lopé. T'as dit quoi? J'ai mal au ventre. Je vais bien venir là. Je l'ai pas fait, j'ai déjà envie de venir. J'ai trop peur, ça va me faire. Et c'est un truc de F1. Ah mais on rentre par les backstage en plus. Oh, y'a personne en plus. Y'a personne qui... Ah si, y'a la queue. Ok, y'a une petite de 13 ans, c'est bon. Y'a une petite de 13 ans. Ah ouais, ils sont décoiffés là. Bon, c'est parti les frérots, on va monter dans le wagon. Let's go. Je dois mettre des lunettes tellement ça bombarde sa mère. C'est parti, on s'équipe. Je suis vraiment effrayant. Je suis effrayant. Oh, vous êtes effrayant là. C'est parti gros. Allez. On part en I comme la montée de l'essence. Allez. Non. C'est la pire attraction, d'accord? C'est la meilleure attraction du monde. Best attraction of the world. Les gars, tu te prends un coup là quand tu fonces tout droit. T'as vu ou pas la vitesse de fou, frère? Ouais, incroyable. Et après, tu descends, t'as même pas perdu. Ça va, Mathieu? Il est au bout de sa vie, frère. Je le voyais à côté, il se chiait dessus, frérot. C'était incroyable, frère. Frérot, on va tellement vite. En fait, tu sais, le meilleur truc, c'est le début. Tu montes et après, la descente, ça va. Mais le début, il est exceptionnel. Franchement, j'ai kiffé. Et on va continuer, on va faire d'autres attractions dans le parc. On va visiter un peu ce parc. Mais je vous conseille un jour, si vous allez en Espagne, de le faire parce que c'est une sensation de fou. Oh, la photo, elle est légendaire. Légendaire. Quoi cette tête, Mathieu, là, t'es tombé dans les pommes. Mais il est tombé dans les pommes. Les frérots, quand je vous disais qu'il y avait des vraies attractions, regarde là-bas. Regarde les grands 8. Frérot, t'es pas tous les grands 8 qu'il y a dans ce parc. Regarde la barrière, montre-leur, d'où on vient. Oh la dingue. On est dans Naruto là. Non, on est dans... Mais non, c'est chinois. Naruto, c'est japonais. Ah merde. Assiste-toi. Ok, direction Shambhala avec les frérots, c'est la deuxième pire attraction du parc. On va voir ce que ça donne. Déjà Ferrari c'était une singerie, donc là Shambhala, je pense que ça va être incroyable. Let's go. Mais mec, calme-toi, ça va bien se passer. On est en bleu sang, ma gueule.
souris. Tu sais quoi qui fait peur? C'est quand on monte et qu'on décolle du siège. Mais Mathieu, c'est Mathieu, c'est Manu. Mais c'était Manu 4 fois là. Je voyais plus les mains, je suis comme ça.